Salut, salut, je joue contre Ruti. Alors, je vais jouer E4 pour changer. Pour alterner, parce que je crois que je jouais D4 la dernière fois. Ah non, j'avais joué E4. Non, cette fameuse Sicilienne qui finit par un mat de 3 cavaliers. Partie écossaise. On va voir ce qu'il a en stock contre l'écossaise. Notre ami Ruti. J'ai déjà joué perdu contre lui, tiens. C'est quoi cette position? J'ai pas ouvert dans un onglet. Ah non, non, c'est. Je me trompe. Non, j'ai jamais joué contre lui. Your score 0-1, j'ai déjà joué contre lui, c'était ça. Visiblement, j'ai fait les levées blancs et j'ai fait de la merde. Bon, ça n'a pas d'importance. H6, j'ai jamais vu ça. Dans la partie écossaise. A priori, je reprends juste le pion. Je crois que j'ai ouvert mon onglet en double, attendez. Your turn. Game over, ça c'était la partie d'avant. Pardon, voilà. Donc je pourrais aller en D5 pour menacer Matt, mais c'est pas vraiment un problème pour lui. Est-ce que... Il y a un truc que je voulais vérifier, c'est fou prend F7. Quand madame était là. Oh, c'est intéressant, dame H4. Fou prend F7 là. J'aurais pu faire échec ici comme ça. Mais après, j'ai pas de fou G5 aussi. Donc la dame menace mon pion. En E4, donc je vais juste le défendre a priori. Je pourrais le défendre comme ça en faisant une menace de mat à mon tour. Et si je joue dame F6, peut-être que je vais sortir mon fou. Ah, c'est pas une menace de mat. C'est une menace. Donc là, j'ai aucune raison d'échanger les dames parce que ça lui. Permettrait de sortir un cavalier par contre. Fou F4 c'était un mauvais coup à cause de dame prend B2. Alors. Je vais échanger les dames. Je suis pas contre, mais dans ce cas je reprends avec un cavalier. Dame prend, cavalier prend. Peut-être fou ici. Fou, c'est une belle case ça quand même. Alors fou ici tout de suite. Très envie d'échanger les dames maintenant. Ou alors dame H5. Non, ça me laisse rien. Changer dame, pion ici. Peut-être cavalier là. Allons-y.
Donc je vais peut-être pas roquer de ce côté-ci, encore que en capuche les dames, il n'y a peut-être pas forcément de risque. Mais je vais jouer mon cavalier pour gagner du temps sur le fou et l'autre, le fou va pouvoir sortir en attaquant le pion. Donc pour défendre le pion, il faut qu'il bouge un petit peu légèrement la vue de son fou. Ah mais il m'a donné le tour. J'ai failli pas le voir. Excellent. Merci, merci pour la tour. Mon fou est pas attaqué, donc pas de panique. J'ai pas envie de défendre le cavalier comme ça parce qu'il prend le défenseur. Et j'avais pas spécialement envie de jouer B2, B3, mais au final, pourquoi pas. Ici, je joue ça. Ouais, m'en fous. Mon cavalier aura besoin de bouger de toute manière, donc on va se replier. Rock pour défendre le pion, ou alors C3. C3, je sais pas, ça, il va mettre un fou là après. Rock, et puis on va peut-être jouer F4. Alors, mon fou est attaqué cette fois. On va pas le donner gratuitement. Il échange, ça m'arrange. Toujours envie de jouer F4, et sinon je vais pouvoir prendre le pion. Ça fait un moment que je pouvais le prendre. Non. Ah non, ça fait que depuis le rock. J'ai pas encore eu le temps. F4. Le fou s'en va. Et s'il s'en va ici, non, je joue mon fou. Okay. Ah, je vais peut-être jouer le cavalier avant. Pour permettre de jouer ça, pour permettre d'attaquer ce pion. Je pense quand même que je vais jouer F4. Je pense que je perds un pion en fait en jouant ça. S'il prend le pion, je peux toujours prendre avec échec, mais il attaque mon cavalier. Si je m'en vais, il prend avec échec. J'ai pas le temps de prendre la tour. Donc je pense que F4 c'était un peu une erreur quand même là. Donc il veut pas de mon pion. Ah, où est-ce qu'on va mettre ce cavalier? On va mettre en G3 pour attaquer le pion. Pas trop envie d'obstruer cette case là. J'ai envie que ce soit le pion qui avance. C'est qu'il va là après, il a pas trop d'avenir, je pense. Alors, est-ce que on va arriver à piquer le pion? Peut-être une idée comme ça aussi. Ou alors tour D5 pour attaquer le pion. Parce que si le cavalier pouvait prendre le pion et ensuite venir en E7, ce serait sympathique. H4. Je sais pas trop ce qu'il veut faire. Si je joue H5. On va faire ça. Parce que là, il va avoir du mal à défendre son pion. Il faut qu'il joue tour F6, qui est un peu horrible. Tour F6. Petite idée de fou C3 maintenant. Je peux aussi mettre ma tour en E7. Et avoir du mal à tout défendre. Ah, il peut attaquer ma tour, c'est pas faux. Puis on va attaquer aussi, donc faut que je vienne là.
Non, il fallait que je vienne là, je suis bête. Ah bah non, puisque le pion va attaquer. On va échanger, on a une pièce d'avance. Une tour d'avance même. Je crois que j'ai donné un pion. J'aimerais bien empêcher son roi d'avancer en fait. Pour ça, faut que je mette un pion là. Comme ça, j'ai un pion qui protège là et un pion qui protège là. Sauf que là, il peut encore passer par H4. Ah, en fait, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. J'aurais dû laisser mon cavalier là et jouer H4, H5. En tout cas, là, je menace de prendre le fou. Il y a un incrément, alors je panique pas trop par le temps, mais il faut quand même que j'y pense, que je surveille. Ok. H4. On va essayer cette petite manœuvre. En fait, si je joue ça, c'est bon, il est bloqué aussi. Le roi est bloqué, le fou des cases blanches, je peux pas embêter mes pions. Donc maintenant, mon cavalier va pouvoir se concentrer sur autre chose. Et en particulier, s'il pouvait venir là, ce serait bien. C'est un peu loin, mais j'ai tout mon temps. Je peux aussi attaquer ses pions. Mais pour l'instant, la position est fermée, donc je peux pas vraiment attaquer ses pions. Alors, il va passer le cavalier par là. Je crois pas qu'il puisse m'empêcher. Les pions sont sur des cases noires. Ils ont bien l'intention de le rester. Mon roi est sur des cases noires aussi. Ma tour aussi. Son roi peut strictement rien faire. Donc c'était quoi mon idée? C'était ça. J'aurais pu aussi passer par là. Et je pense qu'il peut me bloquer. Oups. Ok, on va échanger. Maintenant je gagne un pion. Il pourra prendre peut-être celui-là après. C'est ce pion-là que je gagne en fait. Bon, alors on reprend avec échec. Encore échec et j'ai gagné ce pion là. Non, c'est faux. Je gagne pas du tout ce pion là. Pas le moment de faire ce genre de bêtises. Non, ce pion, j'ai un pion passé. Mais lui aussi, il a des pions passés. On va essayer comme ça. C'est plus mon roi qui devrait l'arrêter, je pense. J'ai mis mon roi là, il peut rien faire. Le cavalier va arrêter une partie. C'est ce pion là qui va tomber aussi. Bon, bah tant pis. J'aurais dû choisir la fourchette là, j'avais une fourchette. C'est bon.
Ok. Faut juste pas paniquer avec la pendule à la fin. Je pense pas qu'il ait eu quoi que ce soit de vraiment dangereux. J'ai sûrement pas très bien joué la finale, mais... Même là, il y avait rien. Bon, c'était pas une... J'ai pas beaucoup de mérite, hein. Il me donne une tour sans aucune raison, mais... C'est ce qui peut arriver quand on joue des joueurs à moins bien classés. Je joue énormément de joueurs à plus de 2000 en ce moment. Ah, il a fait une rematch offer. Bon, ça sera peut-être trop tard. Je voudrais quand même l'analyser un peu. Partie écossaise. Bon, H6, je connaissais pas. Drôle d'idée. Dame D3, peut-être pour rester un peu plus actif. Actif qu'en D1. Et Dame H4. Je trouve ça rigolo de... Je trouve ça rigolo de menacer le mat. Mais c'est vrai que cavalier F6 développait une pièce tout en répondant à la menace. Et contre Dame F6, j'avais l'intention de jouer ça, mais après j'ai réalisé qu'il pouvait prendre un pion. Non, j'ai interdit, je suis complètement gagné. Rock, on sacrifie une tour. Il doit y avoir un mat. Une histoire de fou F7. Une attaque à la découverte contre la dame. Pourquoi on pourrait pas le faire tout de suite d'ailleurs? Le roi est pas obligé de prendre, effectivement. Mais alors en quoi Roquet peut aider? La dame se fait capturer. Comment ça, elle se fait capturer? Ah, avec fou C1. Ouais, mais elle peut encore prendre le pion C2, donc après... Ah non, c'est mat. Une menace combinée. Oui, bon. Faut le voir, hein, le sacrifice de tour. Et donc là, j'aurais dû simplement jouer ça et accepter qu'il double mes pions. On s'en fiche, en fait. Bon, ok. Et je m'attendais tellement pas à ce qu'il me donne une tour. Que j'ai pas vu tout de suite. Et après, bah, évidemment, c'était facile. Visiblement, j'ai pas fait trop de conneries. Ok. Ben, à bientôt, les amis. Je vais peut-être faire rematch si l'offre est toujours valable. Ciao, ciao!